Ça c'est bon. Qui calme les misères à pas. Les élèves traversent ici tous les matins pour aller à l'école. Quand il y a les jours de pluie, le ruisseau est de plus en plus gros. Mamie, tu as mis A. Tu t'es rendu compte, hein? Tu avais mis un M en trop. Voilà. Est-ce qu'on les rattache tout ensemble? Regarde, on va, voilà, on va effacer. OK. Sangue, tu sangue, c'est vous qui m'a donné.
facilement. Si on veut leur faire compter 20 roches, on leur donne des roches, mais ils ne vont pas le prendre. 1, 2, 3. Illustrer avec le corps les lettres, demander de le faire en équipe pour qu'il y ait des échanges, puis toucher les personnes qui sont interpersonnelles aussi. Ils vont parler des intelligences tantôt. S'ils travaillent d'équipe, ça facilite la tâche pour ça. Jodia n'a befete, merci maman. Oui, maman, ou bam la vie. Seigneur, aujourd'hui c'est notre fête. Nous nous sommes réveillés de très tôt. Ou venu ici dans ta maison, ici dans ta maison. Et j'aime beaucoup. Rémi, Sainte-Suzanne, Alors, je remercie les RATAM. Je remercie tous les gens du village. Parce que quand on se promène dans le village de Sainte-Suzanne, tous les étudiants, on se sent bien accueillis chez vous. On se sent très bien accueillis. On s'est fait plusieurs amis en Haïti. Ça fait 18 mois qu'ils préparent leur projet ici. Elles ont fait de la préparation pour les activités. Elles ont fait beaucoup de campagnes de financement pour ramasser de l'argent, pour pouvoir venir ici, mais aussi pour pouvoir vous remettre des choses que vous pourrez utiliser dans vos écoles. Alors, j'aimerais ça qu'on applaudisse les étudiants. Elles ont travaillé pendant 18 mois. Avant de manger le gâteau, tout le monde nous montre à danser le compas. Yeah! Aimé le plus de ton stage ici en Haïti? OK. L'expérience dans les écoles, vraiment. Les gens, comment ils étaient accueillis juste quand on rentrait dans les classes. Les enfants qui appréciaient vraiment gros nos activités, puis les profs. Qu'il n'y a pas de stress à avoir, que c'est une journée à la fois, c'est calme. On a apporté une autre façon de faire aux enseignants dans notre, avec la formation qu'on a eue. La communauté, vraiment toutes les personnes qui nous accueillent, vraiment tous les gens. On arrivait dans le village, puis tout le monde nous saluait, c'était vraiment le fun. Puis ils nous accueillaient, même si on les connaissait pas. Puis souvent, les gens ici, ils nous disent, quand on leur pose une question ou qu'on leur fait une demande, ils nous disent « pas de problème, pas de problème ». Puis on trouvait ça vraiment drôle, on riait à chaque fois qu'ils nous disaient ça. Mais finalement, tu sais, à bien y réfléchir puis à penser à ça, c'est vrai que dans le fond, on n'en a pas de problème dans la vie, là. Si on a une famille qui nous aime, on a des repas servis à chaque jour à notre table, on est en santé, on a tout ce qu'on veut dans le fond, puis on se plaint pour... Ça m'a vraiment touchée qu'ils soient autant chaleureux puis qu'ils nous accueillent autant, là. On était juste en ville puis le monde criait « Ah, Blanca, Blanca! » Les enfants, pour vrai, c'est ça qui m'a le plus marqué. Ils sont vraiment trop cute. Ils sont tous émerveillés avec genre juste une feuille de papier, là.
je leur donne une feuille de papier, puis ils sont genre, ils ont comme, on dirait qu'ils ont comme jamais vu ça, mais dans le fond, oui. Ils sont vraiment débrouillards. Ils sont solidaires aussi ensemble. Mm-hmm. Quand quelqu'un a besoin d'un soutien, même s'ils n'ont pas beaucoup de matériel ou pas beaucoup de choses ou de méthodes, ben, ils s'entraident quand même. Ben, le contact avec les enfants, parce que ils sont vraiment attachants, puis ils s'attachent vraiment vite à nous. Jusqu'à qu'on marchait dans le village, c'est qu'ils courent tous vers nous, puis après, c'est nous amènent dans leur maison, puis ils nous aiment vraiment. Vraiment, l'affection, puis l'attention qu'ils nous portent, les gens ici, t'arrives, puis il y a plein d'enfants qui crient « Blanco, Blanco », puis ils t'aiment, puis tu vois que t'as une importance pour eux. Est-ce que il y a quelque chose qui va avoir changé en toi ou que tu as appris dans ce projet-là? Mais c'est sûr qu'il y a la patience parce qu'il y a beaucoup de moments qu'il faut attendre parce qu'on n'est pas trop au courant de ce qui va se passer. Je pensais pas que c'était aussi difficile. Mais en fait, c'était pas difficile. Mais c'était juste qu'il y avait comme des petits accrochages. Mais tu sais, c'est normal, mais tu sais, je vois qu'il y a... C'est vivre en groupe, j'avais jamais vécu ça. Ça l'ouvre les horizons, je trouve, sur les autres cultures. Quand même un peu anxieuse, stressée dans la vie, puis je pense que j'ai réalisé que c'était pour des niaiseries, puis qu'il fallait plus être calme, puis se dire que tout allait bien. Ça travaillait encore plus ma patience, mm-hmm. parce que j'ai toujours dit que j'étais patiente, mais finalement, j'ai pas mal travaillé, j'étais pas assez patiente. Puis je vois un peu plus positif, parce que j'ai appris à choisir mes batailles. Donc, j'ai appris à choisir ce qui est bon pour moi, puis le reste, ben je le laisse passer au-dessus. Se plaindre. Puis que, en fait, pour les gens qui nous entourent quand on se plaint, ça fait juste rendre l'ambiance désagréable, tu sais. Ben, moi, je me dis que ça sert à quoi de le verbaliser quand je peux, moi, me maîtriser puis le garder pour moi, tu sais. Puis là, c'est Kim qui me dit, t'es tellement une bonne personne, puis on dirait, tu le réalises pas quand c'est rien que toi qui le vois, puis tu te dis, ah! Tu te le fais pas dire. Fait que toi, en vrai, je suis quelqu'un comme un autre, mais quand tu te le fais dire plusieurs fois durant les 17 jours, ça fait vraiment quelque chose. C'est ça. J'aurai plus confiance en moi. Si, avec un groupe extraordinaire, ça a été un beau voyage, plein de découvertes, plein d'apprentissages. Je suis tombée en amour avec Haïti, avec Sainte-Suzanne. Mm-hmm.